بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر الجهد لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، كما تقدم إليكم كذلك دروس في مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي ستطلب منكم دائما، وهذا فضلا منكم وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، كومونتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة، وشكرا شكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour au téléphone de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours comme d'habitude très 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 bien. Vous connaissez que ma présence ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est d'identifier les nombres décimaux. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, 6e année enseignement primaire. La leçon, les nombres décimaux, je m'exerce, page 15 et 16. Donc, cette séance-là est réservée à des exercices d'application. Ça veut dire pour s'exercer, pour consolider l'acquis des nombres décimaux. Bien. Premièrement, écrit en chiffres ou bien en lettres. Écrit en chiffres, il y a un octobre bil arqam ou bil huruf. Par rapport à l'exercice numéro, le premier exercice, nous avons en lettres, trois unités, 5 dixièmes, 8 centièmes. Alors, trois unités, ça veut dire 3,5 dixièmes, 5 8 centièmes, 58. Donc, 5 dixièmes, 8 centièmes. Ça veut dire deux chiffres après la virgule. Pour le deuxième exercice, nous avons 10,924, c'est un nombre en chiffres. On va l'écrire en lettres. 10 unités, 9 dixièmes, 2 centièmes et 4 millièmes. 10 unités, 9 dixièmes, 2 centièmes et 4 millièmes. Donc voilà, parfois on écrit en chiffres et parfois on écrit en lettres. 7,91. Donc, il est égal à 7 unités, 9 dixièmes et 1 centième. 1 centième. Donc, voilà l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2 complète par le nombre qui convient. Voilà. Par le nombre qui convient. Donc, nous avons 0 unités, 834 millièmes. Alors, il est égal. 0 unité, c'est 0, donc on ne va pas l'écrire. Donc 8 dixièmes plus 3 centièmes plus 4 millièmes. Donc on a écrit la partie entière sous forme de fraction. Bon, pour l'exercice, l'autre exercice, nous avons 6 fois 10. Alors quel est le nombre? On cherche le nombre. 6 fois 10 plus 2 fois 0,01 plus 0,0005. Alors, 6 fois 10 égale à 60. 2 fois 1, 2. 2 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. Donc, 0,02 plus 0,005. Donc, nous avons 4 chiffres après la virgule. Si on fait la somme, on va mettre 60 unités, 0,205. 0,205, ça veut dire 0,205. Voilà, le nombre, c'est un nombre dit décimal. 9,57 égale 9 unités plus 5 dixièmes plus 7 centièmes. 12,708 égale à 12,708. On va effacer la virgule et on va diviser par 1000. Trois chiffres après la virgule, je divise par 1000. Décompose le nombre. Fakik, décomposite, mais là, fakik l'adab, fakko.
الى الاف ومئات غيره. 36.92 alors il t'égale à 36, c'est un nombre antinaturel, t'égale à 30, 3 dixièmes plus 6, 30 plus 6, plus 0,9, plus 0,02 centièmes, ça veut dire un nombre centièmes, est égal à 30, plus 6, plus 9 sur 10, plus 2 sur 10. Alors, est égal à 30, est égal à 3 fois 10, plus 6 fois 1, plus 9 fois 1 sur 10, plus 2 fois 1 sur 100. Voilà, on a écrit sous forme de produit, si vous voulez, mixte. Ça veut dire qu'on a produit plus l'addition, mixte. Complète le tableau. Chiffre des unités. Chiffre, le chiffre des 0,1. Ça veut dire les dixièmes. Le nombre des 0,1. Le chiffre des 0,001 et le nombre des nombres 0,001. Alors, pour 51,073, nous avons... Le chiffre des unités, c'est 1. Voilà, les unités, c'est 1. Pour le chiffre des 0,01, égale à 0. Le chiffre, 0. Pour le nombre des 0,1, est égal à 510. 510. Et pour le chiffre des 0,001, ça veut dire 3 chiffres après la virgule, nous avons 3. Et pour le nombre des 0,001, c'est le nombre tout entier. C'est quand il y a 1073. Voilà. C'est quand il y a 1073 millièmes. Hein? Millièmes. Pourquoi? Parce que si on divise par 1000, on va trouver le nombre 51. 4,768, chiffre des unités 4. Le chiffre des dixièmes 5. Le nombre des dixièmes 54, le chiffre des 0,01, ça veut dire les millièmes égale à 8, et le nombre des millièmes égale 4568 millièmes. 4568 millièmes. Ça veut dire si on divise par 1000, on va trouver le nombre. On va trouver le nombre. Bien, je termine l'explication. Alors, exprime par un nombre décimal le niveau d'eau dans chacune de ces éprouvettes. Nous avons deux éprouvettes. Juste une à un, à la chkilada. Moujza'a, bits dirigeants. Nous avons 0, 1 centilitre, 2 centilitres. 0, 1 centilitre, 2 centilitres, 3 centilitres. Alors, pour la première éprouvette, nous avons 1, 2, alors chaque coach dirigeant fait un jeu de l'arbre. 2, 4, 6, 8. Donc on va écrire 1,8 centilitres d'eau. 1,8. Nisba, la deuxième éprouvette, nous avons 1, nous avons 2,4,6. Donc 2,6 centilitres. 2,6 centilitres. Intercale les nombres entre deux nombres entiers consécutifs. Alors intercale, bien maintenant, sort. حصر العدد العشري بين عددين صحيح صحيحين. Nous avons 0,75. Quel est le nombre entier le plus petit? C'est 0. Quel est le nombre le plus grand? C'est 1. 3,04. Quel est le nombre le plus petit? C'est 3. Le nombre le plus grand? C'est 4. 99,186. Le nombre le plus petit? C'est 99. Et le plus grand? C'est 100. C'est 100. 8,70. Le nombre entier naturel le plus petit, c'est 8. Et le nombre entier le plus grand, c'est 9. Donc, on a un nombre de 10 qui est un nombre de 10. B trouve la valeur approchée de 6,31 au dixième par défaut. Au dixième, ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc, un chiffre après la virgule, c'est 6,3. Donc, 6,3, c'est le premier nombre qu'on a trouvé par la division, donc c'est par défaut, donc 6,3 c'est juste, 6,3, 72,581 au centième, ça veut dire deux chiffres après le virgule, par excès, bimana, bits frais, bimana, l'qima l'achariya, l'il'adad, bimana, raqmen, wara al-fasila, bits frais. Bits frais, non, 72,58, c'est le nombre décimal avec deux chiffres après la virgule, au centième.
hein, au centième. Donc par ici, on va ajouter 0,01. Donc ça va donner 62,59. 59. Alors, dawa, la valeur par excès. La valeur par excès à 1 centième. Septièmement, en utilisant les chiffres 1, 9, 6, 3, 1, 9, 6, 3, une seule fois, il m'a dit que ça va faire un temps de la tikrar. Écris le nombre le plus petit. Écris le nombre. Le plus petit nombre décimal. Attention, hein, le plus petit nombre décimal. بمعنى أصغر عدد عشري إذن أصغر عدد عشري هو 13.69 أو 13.96 إذن هنا سيقولنا أصغر عدد عشري إذن هنا ما يمكنش ندير 31 أو ندير 13 وما يمكنش ندير 96 لأنها كبيرة غندير 69 بيان إكري لو نومبر لو بلو كغون نومبر ديسيمال دون لا بارتي أونتيير سو كومبوز دو تو شيفر إذن La partie entière est 96, donc ça se compte kibira, donc ça, c'est ça. On a dit que c'est quoi le classique. On a dit que c'est quoi le classique, mais il me glisse, c'est tout. Tâche que je suis connu d'aimer l'adat à quoi. Range par ordre. Range par ordre décroissant en utilisant le signe qui est convenu. On a dit à la type, minel akbar et l'asra. Par ordre décroissant, on a la type minel akbar et l'asra. Moussamil, à l'âme de mona. مناسب مستعملا الرمز المناسب. إذن ننتقل إلى السبورة الأخرى. Bon, je termine l'explication. Alors nous avons 7,08, 87 sur 10, 80,7, 807 sur 1000, 70,8. Donc, je vais classer. La question, c'est ranger par ordre de décroissance. Bien, maintenant, nous avons mis l'akbar et l'asra. Et d'abord, nous avons c'est le haut, l'adad l'achari, l'adad l'achari, l'adad l'achari. Alors, 7,08, c'est le valet testable. 87 sur 10, c'est égal à 8,7. 80,7, 80,7. 807 divisé par 1000 égale 0,807. Et 70,8, c'est 70,8. Donc, je vais classer par ordre décroissant. Quel est le nombre le plus grand? C'est 80,7. Voilà. Le deuxième nombre, 70,8. Voilà. C'est un nombre décimal. Le troisième nombre, c'est 8. C'est 8,7. Donc, ça veut dire 87 sur 10. 87 sur 10. Le dernier, le nombre le suivant, 7,08. Et le plus petit, 807 sur 1000 égale à 0,800. Donc ça, est égal à 0. Donc voilà le classement des nombres par ordre décroissant. Alors, tu veux l'adad, mais l'akbar, il a l'asra. Lakin, bach n'abtibon, c'est l'adad l'aksarien, choula, il a l'adad à l'achari. Bach n'abtibon, l'adad l'achari, fimabéna. Indique les abscisses des points A, B, C, D. Alors, on a là, 7. وعندنا هنا 8 وعندنا هاد لي تيريال. إذا إلا كانت عندي هنا 7 وعندي هنا 8 بمعنى ما يمكنش باللي هنا 7 ونقول 8. دونك بمعنى 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 et nous avons 8. Voilà ce qu'on appelle les abscisses. 8, 8,1, 8,2, 8,3. 8,3. Voilà les abscisses de chaque point. Deuxièmement, on trouve le nombre antinaturel le plus proche des prix indiqués. Le nombre le plus antinaturel le plus proche. Nous avons une liste. Il y a dit, il me semble que c'est tria, bientôt. Le prix 1299,80. Quel est le nombre antinaturel le plus proche? واش نحيدو 8 ولا نزيدو 0 واش نحيدو 0.8 ولا نزيدو 0.20 اذا شكون هو اللي قريب هو 0.20 اذا غادي نزيدو 0.20 هو اللي قريبه وغادي نكسب 1300 درهم ثم عندنا هنا 178.20 اذا واش نزيد 0.8 ولا ننقص 0.20 شكون هي اللي ناقصه هي 0.20 اذا غادي نقص 0.20 وغتبقى لي 178 18. Donc voilà
le nombre entier naturel le plus proche de l'adad. Et voilà le nombre entier naturel le plus proche de l'adad 1299. Alors jusqu'à maintenant, on a terminé la leçon. Voilà la fin de notre leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.